Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tech & Co. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous Tech et Débat. Le premier, c'était il y a quelques semaines de cela. On s'était intéressé à la vie incroyable d'Elon Musk. Et pour ce deuxième numéro, on va parler robotique et plus précisément se focaliser sur une entreprise incroyable, Boston Dynamics. On a tous vu sur YouTube ces vidéos folles de robots à la fois qui ressemblent à des chiens ou parfois même à des humains et qui sont impressionnantes. Faut-il avoir peur de ces robots? Est-ce que c'est au point? Est-ce que demain ils seront dans notre maison ou dans les entreprises? C'est ce que je vous propose d'aborder dans ce nouveau numéro de Tech et Débat. Et on commence tout de suite avec ce concept et ce documentaire, un documentaire qui va revenir sur l'histoire de Boston Dynamics, un documentaire réalisé par Athénaïs Keller, Florent Huvier et Pierre-Oscar Brunet. On revient juste après. Dans les couloirs du métro, un drôle d'animal rôde et se faufile dans les souterrains. C'est en fait un animal de compagnie. Il s'appelle Perceval et appartient à la race des Spot, robots jaunes à quatre pattes. Ce matin, on s'est donné rendez-vous à la station de RER sur la ligne A, Saint-Maur-Créteil. Et du coup, on va aller ensemble inspecter un sous-quai. Donc c'est l'espace qui est sous le quai du RER. Et vous allez voir, à l'intérieur de ce sous-quai, il y a peu de hauteur. Et encore, c'est un des sous-quais les plus hauts qu'on ait. Et du coup, on voit bien que les inspections sont assez délicates, périlleuses, parfois dangereuses. Et du coup, l'idée, c'est de s'aider d'un robot d'inspection pour apporter un œil déporté, envoyer le robot là où c'est pénible et laisser le collaborateur en sécurité faire son inspection à distance de ce genre d'espace. Depuis quelques années, ce robot quadrupède est devenu une star sur Internet. Dans des vidéos souvent virales, on le voit effectuer de nombreuses acrobaties, avec une aisance déconcertante servir une bière comme dans ce talk show américain et même danser à côté de Mick Jagger ou sur le dernier tube du boys band star BTS. Ce robot chien à l'allure plutôt amicale est devenu le fer de lance de son constructeur, l'entreprise américaine Boston Dynamics. Au début des années 90, des ingénieurs du prestigieux Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT, s'inspirent d'animaux pour commencer à développer des prototypes de robots à pattes bondissants. Leur objectif était alors d'étudier la mobilité et la locomotion robotique. Marc Reber est l'un de ces ingénieurs qui rêvent de voir un jour ces robots dépasser les capacités humaines. En 1992, c'est lui qui crée l'entreprise Boston Dynamics. Alors Marc Reber, c'est une grosse tête, c'est un chercheur à l'origine en robotique, un docteur en robotique, professeur au MIT. Il ne faut pas le voir comme un savant fou, comme un géotrouve-tout, c'est vraiment le chercheur brillant. De sa thèse en 77 à aujourd'hui, presque 50 années, il a toujours fait la même chose, quoi, avec acharnement, enfin, avec l'évolution au début, hein, il n'y avait pratiquement aucun calculateur. Quand il faisait ça, c'était les premiers calculateurs. C'est vraiment une personnalité dans ce secteur qui a été considéré comme vraiment un pionnier et quelqu'un d'extrêmement performant. Ce qu'il faut voir en lui, c'est vraiment quelqu'un d'obstiné dans sa recherche. C'est que lui, très vite, il a vu le potentiel de ces robots humanoïdes, donc bipèdes ou quadrupèdes, et ça a été un peu son obsession. C'est lui qui, le premier, a mis au point un robot, alors c'était un robot unijambiste, mais capable de se stabiliser lui-même. Alors c'était des bâtons qui sautait comme ça, ou des tables, et il lui faisait faire des sauts périlleux, des trucs que personne n'a refait d'ailleurs. De là, sont nées ses idées, ses développements sur simulation virtuelle, et puis ensuite la mise au point de ces robots avec de la mécanique, de la physique, de l'informatique. Il a fait des choses aussi abouties, quoi, qui sont uniques. Unique au monde. Et c'est lui qui a commencé à travailler sur ces robots plus fous les uns que les autres, avec cette ambition
quand même assez incroyable de dire voilà, demain ou après-demain, on aura des robots qui pourront faire absolument tout ce que les humains sont capables de faire aujourd'hui. Et c'est ça qui a mené à la création et au développement de Boston Dynamics. L'entreprise développe trois profils de robots. Des robots à roues, à quatre pattes et des robots qui marchent. Toujours vêtu d'une chemise à fleurs, Marc Reber multiplie les interventions publiques pour présenter ses robots révolutionnaires. Il résume alors ses trois principales caractéristiques. Le robot ultime de Boston Dynamics doit associer la mobilité, l'agilité et la dextérité. La planification et toutes ces choses se conjuguent pour que nous soyons si adroits. Et enfin, la perception. C'est peut-être l'une des choses les plus étonnantes. Il y a une pièce avec presque 2000 personnes dedans et je peux voir chacun d'entre vous. Je peux me déplacer et toujours vous localiser. Vous n'êtes pas un tas de pixels qui nagent. Vous êtes des personnes. Je pourrais probablement, au moins dans les premiers rangs, distinguer les hommes des femmes et je pourrais dire quel âge vous avez, etc. Et ça se passe apparemment sans effort. Notre objectif est donc de construire des machines dotées de ce genre de capacité au niveau de la performance. Elles n'ont pas besoin de ressembler à des personnes ou à des animaux, elles n'ont pas besoin de fonctionner comme les gens et les animaux, mais nous voulons atteindre ce niveau de fonctionnalité. Maintenant, c'est encore un peu loin, pas aujourd'hui, ni même demain, mais je pense qu'un jour, de notre vivant, nous y parviendrons. Depuis 2019, un nouvel adjectif est venu s'ajouter à cette présentation, l'intelligence. Et c'est loin d'être un détail. Ces robots, ce sont les robots les plus avancés du marché. On va dire, c'est des robots qui vont s'inspirer de l'homme, de l'animal, en reproduire les propriétés avec un niveau de réalisme qui est à la fois fascinant et parfois qui confine à l'effrayant. Première chose qui saute aux yeux quand on voit ces machines, c'est que ce sont des objets dynamiques. L'autre singularité, il le dit assez fréquemment, c'est que de tout temps, il a considéré, il y a peu, sinon pas d'intelligence artificielle dans la partie machine. Par contre, dans toute la partie vision, oui, il y en a. Mais le but, c'est d'imiter, pas d'imiter, d'accompagner l'homme, donc de reproduire un peu les gestes. C'est pas évident parce que nous, on se rend pas compte, mais nous, quand on marche, on a tout un ensemble de corrections qui se font sans cesse pour être toujours en équilibre. On monte des marches, le terrain est légèrement en pente. Un robot, lui, il le voit pas. Ça, il faut qu'il y ait des capteurs en tous les sens, il faut que les calculs se fassent instantanément. On apprend des comportements à travers des expériences répétées, mais c'est pas de l'IA au sens qu'on l'entend très souvent aujourd'hui. Il a toujours dit qu'il avait une approche, une sorte de co-conception de la machine et des logiciels. Enfin, c'est jamais la conception d'abord et après la commande. Il a toujours conçu ces machines, enfin, d'un point de vue, comportemental. Ce qui est important, c'est que avec l'intelligence artificielle, avec ce qu'on appelle le machine learning, le robot apprend de lui-même. C'est-à-dire qu'il commence à comprendre que lorsque le sol est plus haut à droite qu'à gauche, eh bien, il faut qu'il compense avec le poids, il faut qu'il rebascule son centre de gravité. Donc, il y a toutes ces applications. Mais le but est vraiment d'accompagner l'humain et d'être, si on est un quadrupède, de se comporter comme un petit poney ou comme un chien. Et puis, si c'est un humain, de se comporter comme un homme en marchant ou en portant des charges. Pour vous montrer la rapidité de l'évolution des robots Boston Dynamics vers l'autonomie, intéressons-nous à Spot justement. En 2005, sort le premier prototype à quatre pattes, Big Dog. Il est pensé pour transporter de l'équipement militaire, il fait la taille d'un petit cheval et beaucoup, beaucoup de bruit. Big Dog connaîtra pas mal de dérivés. Little Dog, Alpha Dog et même une version tauromachie, Big Dog Olé. En 2015, le projet Big Dog est abandonné. Impossible d'utiliser un robot aussi bruyant dans un contexte militaire. Mais Big Dog va renaître, sous des traits un peu modifiés, ceux de Spot.
spot classique d'abord. Puis spot mini. Et enfin, juste spot qui gagne un bras articulé qui fait un peu peur. Il y a ce robot chien qui s'appelle le Spot, qui est probablement le robot le plus connu de Boston Dynamics, hein, alors qu'il a connu des longues phases de développement. Ça a commencé, à l'origine, c'était un gros chien qui était destiné à l'armée américaine. La DARPA, le laboratoire de recherche de l'armée américaine, d'ailleurs, avait financé le projet. Et puis, on s'est rendu compte à un moment que, bah non, en fait, il était trop lourd, trop encombrant, les batteries duraient pas suffisamment longtemps. Et donc, du coup, ça a été abandonné. Et puis ensuite, on l'a miniaturisé et c'est devenu un robot chien, mais j'allais dire d'un niveau de réalisme complètement fou. En 2017, Spot devient jaune, design qu'il a toujours aujourd'hui. Spot est désormais capable de courir, de grimper des escaliers, d'attraper des trucs, de fermer des portes, de danser et de résister à des situations ou des obstacles imprévus. Il y a cette vidéo assez dingue où on le voit faire un footing en fait avec un ingénieur. Donc l'ingénieur court. Le robot chien court à côté de lui, donc déjà c'est assez étonnant. Et puis il y a un moment, l'ingénieur donne un coup de pied au chien. Et là, quand on voit la vidéo pour la première fois, c'est très bizarre parce que ce chien, ce robot chien, il se comporte comme un chien, c'est-à-dire qu'il fait un pas de côté exactement comme un chien qui aurait été frappé par son maître. Et en tant que spectateur, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un peu de compassion ou d'empathie pour le chien. Alors quand on rationalise, on se dit « mais attendez, c'est une boîte de conserve en fait ». Mais non, on se dit « non, c'est un chien ». Et de se dire « l'ingénieur, mais c'est un salaud, pourquoi est-ce qu'il lui a fait ça ?» On est au-delà de la technologie, on est sur des questions qui sont de l'ordre de la philosophie, de la morale. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un robot? Est-ce qu'on a le droit de frapper un robot? Il y a tout un champ maintenant de réflexion sur est-ce qu'on devrait donner une personnalité juridique au robot. Enfin, ça va très loin. Et en fait, ce sont ces champs des possibles qui sont ouverts par les robots de Boston Dynamics. Et la question que tout le monde se pose, jusqu'où le constructeur compte-t-il pousser sa machine? Pour avoir des éléments de réponse, il faut quitter le Massachusetts et se rendre à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, direction les bureaux français de Hyundai. En 2020, le constructeur automobile sud-coréen a racheté Boston Dynamics pour 1,1 milliard de dollars. Nous avons demandé à Lionel Frenchcog, président de la marque en France, à quoi un tel investissement peut bien servir. Hyundai, dans sa logique de mobilité, en fait, se doit de développer d'autres outils que simplement ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est-à-dire des voitures ou des camions ou des véhicules utilitaires. On va devoir gérer finalement les derniers mètres, les derniers 100 mètres, la mobilité des gens à titre individuel, mais finalement pas simplement en bas de chez eux, mais peut-être jusqu'à chez eux, d'être capable aussi de transporter des marchandises gérées sur les derniers mètres ou sur les dernières centaines de mètres. Tous ces éléments-là nous amènent à penser que la logique de la robotique amène un complément à ce qu'on sait déjà faire aujourd'hui. C'est un premier élément qui fait que nous sommes intéressés à Boston Dynamics. Et le second élément, c'est lié finalement aussi à toute la partie logicielle, capteur, intelligence qu'il y a finalement dans ces produits. Parce que l'autonomie est aussi un sujet important pour la mobilité. Comment demain on va rendre nos outils de mobilité le plus autonomes possible. Et c'est vrai qu'au travers de la robotique et de ce qu'a développé Boston Dynamics, on a aussi les prémices finalement de comment on va rendre nos outils de mobilité plus intelligents et plus autonomes. Depuis le rachat de Boston Dynamics par Hyundai, le constructeur concentre tous ses efforts de communication sur Spot. Le but, combattre une peur vieille comme le monde, celle des robots qui prendraient le pouvoir sur l'homme. Une crainte croissante qui a même donné naissance à un véritable mouvement, Stop Killer Robots. À l'instar de certains concurrents qui surfent sur cet imaginaire de violence. Moi, je pense qu'on ne doit pas avoir peur des robots, on doit avoir peur des humains. J'ai une théorie que j'applique à beaucoup de technologies, c'est la théorie du couteau à steak. Tu peux acheter un couteau à steak au supermarché et tu peux t'en servir pour découper ton steak le midi ou tu peux t'en servir pour poignarder ton voisin le soir. C'est pas le couteau à steak qui est mauvais, c'est l'utilisation qu'on en fait en tant qu'être humain. Ces robots, c'est exactement la même chose. Ça reste des technologies conçues par l'homme qui sont maîtrisées encore aujourd'hui et un usage raisonné de ces technologies, comme de toutes les machines, de l'ordinateur. On ne s'inquiète pas trop de l'usage des smartphones. Hein, et Dieu sait si, je pense, ils ont des travers, ces objets-là. Il faut avoir peur de cette technologie si on sent qu'elle est sans contrôle.
Voilà, si on sent que c'est entre les mains d'un État totalitaire ou d'une entreprise qui n'a aucun scrupule à utiliser ces outils. Ça induit des inquiétudes fortes, mais bon, c'est vrai, je pense, vis-à-vis de toutes les technologies. Et je ne peux pas dire que l'homme soit toujours très raisonnable face à l'exploitation de la technologie. On en a des preuves aujourd'hui. On peut les utiliser pour des choses formidables. On va les utiliser pour des missions de sauvetage, par exemple. On va les envoyer là où il est trop dangereux d'envoyer des êtres humains pour leur éviter de se casser le dos sur des tâches qui seront trop fastidieuses. Donc c'est une avancée technologique majeure pour le bien. Mais on peut aussi s'en servir, évidemment, pour des choses beaucoup moins sympathiques. On peut très bien imaginer les armées. Chaque laboratoire qui développe de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on demande aux chercheurs de créer un comité d'éthique pour voir jusqu'où ils peuvent aller dans le développement d'algorithmes et l'autonomie qu'ils vont laisser à leur intelligence artificielle et qui va être appliquée à ce type de robot. Et là encore, c'est ce qui est incroyable avec cette entreprise Boston Dynamics, c'est que c'est sûrement la première entreprise de robotique à ouvrir à ce point des perspectives qui vont bien au-delà de la technologie sur les champs du juridique, de l'éthique et du philosophique. Cette image horrifiante sortie tout droit d'univers de science-fiction, Boston Dynamics cherche à s'en éloigner le plus possible. Début octobre, l'entreprise s'associe à 5 de ses concurrents spécialisés en robotique pour signer une lettre dans laquelle il s'engage solennellement à ne pas militariser ses robots. Du coup, même Atlas, son modèle le plus proche de l'homme physiquement, se retrouve à danser et faire des galipettes pour mettre en avant un côté grotesque et attachant. Clairement, c'est cherché, c'est volontaire. L'idée, à mon sens, c'est de rendre ces robots cool, effectivement, et disons, de ne pas effrayer le grand public. Il faut mentionner qu'au départ, les premiers qui ont été intéressés qui ont financé ces recherches, c'était la DARPA. La DARPA, c'est le grand centre de recherche américain, de l'armée américaine. Et ils se sont dit, tiens, des robots, alors sous-entendu des robots pour aller secourir des soldats en temps de guerre. Très vite, on imagine dans certains, ils ont pensé le robot tueur. Quand on a des robots qui aujourd'hui sont capables, comme le robot Atlas par exemple, ce robot humanoïde, de faire des saltos arrière, de se déplacer comme un être humain, d'avoir un niveau d'agilité digne d'un gymnaste ou d'un ninja. Est-ce qu'il vaut mieux, en termes de marketing et de communication, si je me place du point de vue de l'entreprise Boston Dynamics, le montrer en train de danser sur des sons des Rolling Stones ou des armes à la main dans un scénario guerrier ? Il faut quand même voir que l'armée n'a pas été totalement convaincue par les premiers essais de Boston Dynamics et donc ils se sont dit qu'il faut qu'on oriente aussi vers le grand public. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit beaucoup plus d'applications avec ce chien Spot, Mini Spot, avec Handle, enfin avec tous ces Atlas, tous ces robots qui ont un aspect un peu plus humanoïde. Il faut bien se dire qu'en matière de robotique, on est encore au début, même si ça a évolué beaucoup ces dernières années, ces dernières décennies. Il faut imaginer le potentiel que ça va représenter dans les années et dans les décennies qui viennent. Le but de Boston Dynamics aujourd'hui, c'est vraiment que ces robots nous accompagnent au quotidien. Quoi. Que l'on soit une personne âgée chez soi, d'avoir un mini-robot chien qui puisse nous aider et nous accompagner. Premier robot commercialisable de la marque, Spot devient un produit comme les autres qui doit séduire le consommateur. Mais surtout le consommateur fortuné, car Spot coûte actuellement 75 000 $. Mais le robot de compagnie, ce n'est pas encore pour tout de suite. Si Boston Dynamics fête ses 30 ans, leurs robots, eux, n'en sont qu'à leur balbutiement. Qu'est-ce que ce sera en 2030, en 2040, en 2050 ? Personne ne le sait. Ce qui est sûr, c'est que quand on va commencer à coupler ces robots de plus en plus sophistiqués d'un point de vue de leur déplacement et de leur agilité, ce qui est très compliqué à programmer, avec des outils d'intelligence artificielle qui vont leur permettre d'accéder à une forme de conscience, je mets des énormes guillemets à conscience parce que c'est pas de ça dont il s'agit, mais en tout cas de prendre des décisions quasiment comme un être humain le ferait, même si c'est basé sur des algorithmes évidemment. Quand on va coupler ça à des systèmes de discussion en langage naturel, comme les petites enceintes intelligentes qu'on commence à avoir à la maison, on pourrait intégrer ça dans des robots, et là encore, il va y avoir des avancées dans les années qui viennent qui font que on ne saura même plus réellement si on est en train de parler à une machine ou on aura l'impression d'être en train de parler avec un être humain. Quand on aura des robots ultra réalistes, on va quand même avoir quelques questions à se poser. Pour revenir et prendre le
temps sur ce sujet qui est passionnant de la robotique. Je vous présente nos deux invités. Anthony Morel est avec nous. Salut Anthony. Bonjour. On t'a vu d'ailleurs dans ce document hein, pour justement réagir à toutes ces images incroyables hein, qui ont marqué les esprits de ces robots de Boston Dynamics et de l'histoire aussi hein, de cette entreprise qui est passionnante. Et à tes côtés, c'est Bruno Maisonnier qui est là. Bonjour Bruno. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous présentez, c'est un peu compliqué parce que vous êtes dans la robotique depuis de nombreuses années. Vous avez été le patron d'Aldébaran, le créateur d'Aldébaran. Voilà, c'était, je crois, au début des années 2005, pardon. Ouais. Qui a été racheté par SoftBank il y a quelques années. Vous êtes parti d'Aldébaran il y a quelques temps aussi. Aldébaran, c'est Nao, Pepper, des robots français qui ont marqué là aussi les esprits. Et aujourd'hui, vous êtes le patron d'une boîte liée à l'intelligence artificielle qui s'appelle Another Brain. Et vous êtes aussi dans la robotique parce que vous êtes à la tête de pas mal de startups aussi où vous investissez dans ces sujets-là. Pour commencer, Anthony, quand on voit ces images, est-ce que il faut avoir peur de ces robots qu'on voit là ? Avoir peur ? Ouais. Moi, je pense pas. Ma théorie, c'est toujours l'usage qui est mauvais. C'est pas la technologie elle-même, c'est l'humain et ce qu'on en fait. Donc ces robots, ils peuvent faire des choses absolument extraordinaires et on en a vu quelques exemples dans le documentaire. On peut les envoyer sur des zones dangereuses, on peut les envoyer faire de la cartographie à Tchernobyl, on peut les envoyer faire des missions ingrates, difficiles, fastidieuses, répétitives pour l'être humain. Ou alors, on pourrait s'en servir potentiellement pour les armées, à des fins militaires, pourquoi pas. Vraiment, ça va être toute la question, mais je crois que Boston Dynamics, ils ont vraiment cette logique, alors en termes de communication et de marketing, après on pourra parler vraiment de la technologie à proprement parler, mais de dédramatiser un peu tout ça. C'est vrai qu'ils ont commencé en étant financés par la DARPA, les robots devaient servir à l'armée américaine. C'est vrai. C'est pour ça que je disais que ça fait un peu peur, parce que c'est vrai que ces outils au départ ont été conçus un peu pour ça, c'est pour la défense. Mais maintenant, on les a vus avec des policiers à New York, par exemple. Exactement. Ils ont été vite retirés d'ailleurs, parce que c'était pas forcément ça envoyait un mauvais message auprès de la population. Mais là, on voit bien quand même que dans les images qu'ils essayent de nous montrer, l'histoire qu'ils essayent de nous raconter, c'est plutôt des robots qui font des chorégraphies incroyables, qui dansent. C'est aussi, je pense, pour démythifier un petit peu tout ça. Boston Dynamics, qui a aussi, ils ont signé une lettre ouverte pour dire non, nous, on n'armera jamais, on ne militarisera jamais nos robots. Alors, ça n'empêchera probablement pas certains de leurs concurrents de développer des robots similaires et de mettre des fusils d'assaut dessus. Mais en tout cas, je crois qu'ils sont dans cette logique-là aujourd'hui. Ouais. Bruno, quand on voit ces images de ces robots qui sont bluffantes, parfois presque biologique, animal. Est-ce que c'est vrai tout ce qu'on voit ? Est-ce que Boston Dynamics ne manipule pas un peu quand même les spectateurs avec ces images ? Moi, je veux faire attention à ne pas donner des mauvaises images de ce que fait cette entreprise. Ce qu'ils font, c'est incroyable. L'agilité, la capacité de mouvement de ces robots, c'est du vrai. Ça se passe comme ça en vrai et tout. Bien sûr, on est tous conscients qu'ils ont dû faire plusieurs essais, qu'ils ont merdé avant qu'on soit capable de sélectionner le bon. Mais ça fait partie du jeu. Ils ont les technologies qui permettent de faire ça. Ils ne sont pas les seuls. Aldébaran avait les technologies équivalentes sur la partie dynamique, stabilité, qui est le sujet qui intéresse Mark Rebert, le patron de Boston Dynamics, qui est un copain. Mais on avait les mêmes technologies, simplement Aldébaran avait fait un choix d'essayer de faire un robot vendable pour un particulier. Donc un robot qui coûte 1000 euros à fabriquer, grosso modo. Et du coup, y a des choses qu'on ne peut pas faire là-dedans. Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'avait pas les mêmes algos. C'est-à-dire que les robots que vous fabriquiez ne marchaient pas, en fait. Ils roulaient, non ? Ah non, il marchait. Il marchait. D'accord. Mais il marchait pas de façon pas très agile. Et puis il était petit. Mais si, il marchait. Mm-hmm. Pepper roulait, lui. Celui-là roulait. Il y avait Roméo aussi, qui était plus un prototype pour les laboratoires de recherche. Mais en fait, la question, quand on regarde ces sujets-là, et comme n'importe quelle technologie, c'est sur quel chemin on marche, l'humanité collectivement. Et ce qui compte, c'est où est-ce que ce chemin va nous amener. Ce qui compte, c'est pas forcément de savoir exactement où on en est là aujourd'hui. Donc oui, les robots de Boston Dynamics sont d'une agilité incroyable, sont hyper beaux, les gens sont brillants chez Boston Dynamics, même si on sait qu'il y a les effets des mots là derrière, etc. Néanmoins, le chemin sur lequel ils vont, c'est des robots qui sont réellement agiles. Et ces robots réellement agiles permettront de faire plein de choses. Il leur manquera tout un pan pour que ce soit les robots dont on a besoin. Ils ne s'occupent que d'un des aspects, qui est l'agilité. Et c'est ça le focus principal de l'entreprise, c'est ce qu'ils aiment. C'est pour ça qu'ils ne sont pas d'abord dans le sujet des applications, de décliner ça dans un produit. Ce n'est pas d'abord ça leur préoccupation à eux. Mais c'est vrai que sur la question de est-ce que les images sont, entre guillemets, montées, mises en scène, etc., je trouve qu'ils sont assez transparents en plus sur ce truc-là, parce qu'ils publient souvent des vidéos où on voit le making-of en plus, et on voit les robots qui se cassent la figure lamentablement. On a dû refaire la prise 10 fois. Donc voilà. Après, ce qu'il y a aussi. Ce qui est très fort dans l'affect aussi.
aussi, parce qu'on se dit, ah bah tiens, ils sont un peu humains finalement. Oui, c'est ça. Il y a un côté Pierre Richard, tu sais, quand on voit le robot qui se casse la figure. C'est presque attachant finalement. C'est presque attachant, c'est vrai. Et puis, alors à côté, par contre, il y a un deuxième sujet, c'est qu'il y a beaucoup d'internautes qui se sont emparés de ces vidéos et qui ont fait, qui ont monté des deepfakes en fait à partir de ça, qui sont parfois très réalistes d'ailleurs aux yeux du grand public, où on voit par exemple, il y en a une qui est incroyable, où on voit un robot Atlas, donc l'humanoïde, qui se rebelle contre les humains torsionnaires. Donc les humains commencent à maltraiter le robot, et puis à un moment, le robot il se venge et il commence à se battre contre les humains. Et c'est vrai que quand on voit la vidéo, on se dit, ouais, c'est incroyable. Là, évidemment, c'est pas Boston Dynamics qui est derrière, c'est vraiment une vidéo qui a été trafiquée avec des effets spéciaux. Donc voilà, faire attention aussi à ce qu'on trouve sur Internet. Bruno, quand on voit ces images de Boston Dynamics, on se dit qu'au niveau de la capacité de se mouvoir, ces robots sont bluffants. Ouais. Mais est-ce qu'ils sont intelligents ? Quand on les voit sauter comme ça, de borne en borne, voilà, d'éviter des objets, quand on leur donne un coup de pied à ce chien, il y a toujours ces images qui sont impressionnantes, hein, on souffre presque pour lui, ouais. Et puis il revient comme ça, enfin, il a une stabilité qui est presque animale comme un chien. Ouais, ouais. Est-ce que ces machines sont intelligentes pour vous ? C'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire c'est de la réactivité animale, et c'est ça dont il faut doter les robots pour qu'ils soient capables de marcher, et ils le font, hein, marcher sur des terrains qui sont irréguliers, etc. sans tomber, il faut que la jambe toute seule, le pied tout seul, sans qu'il y ait un ordre supérieur, soit capable de réagir et de s'adapter au terrain. Donc ils font ça très très bien, ça donne ça, mais dans tout ça, il y a zéro intelligence. Zéro, zéro intelligence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'achète ce robot-là, on ne peut rien lui faire faire. Non, il faut le programmer pour faire des trucs, mais si tu lui demandes de marcher, bah, il va marcher sans tomber, il va s'adapter. Mais il va taper contre un mur, il va avoir des capteurs malgré tout pour les éviter, même pas. Il a des capteurs pour éviter, mais je ne sais pas après l'application qui est à l'intérieur. Il faut écrire une application, mais c'était un peu les limites des robots d'Aldébaran. C'est l'étape où on en était, puis il fallait aller à l'étape d'après. D'où, c'est pour ça que j'ai créé Another Brain. C'est-à-dire leur donner une capacité à comprendre un peu ce qui se passe autour, une certaine conscience de leur environnement. Parce que quand tu mets un robot humanoïde avec des gens, la première chose que font les gens, c'est « coucou robot », il secoue la main et puis il attend une réaction. Mais le robot, il ne comprend pas que quelqu'un cherche à interagir. Et puis quand on fait toutes les applications pour qu'ils comprennent que quelqu'un cherche à interagir, ben, ça ne marche pas dans le vrai monde. D'abord, parce que le vrai monde est vraiment, vraiment compliqué. Mais surtout, tu as toujours 3, 4 ou 10 personnes devant. Donc le robot, il ne comprend rien. Mais ça, on y arrivera un jour. Donc il faut faire une vraie intelligence artificielle. Et aujourd'hui, bien sûr, Elon Musk et tous les autres qui veulent mettre dans leur robot, c'est l'état de l'art de l'IA, c'est-à-dire du deep learning, c'est-à-dire quelque chose qui est hyper puissant, mais c'est pareil, il y a zéro intelligence là-dedans. C'est de la statistique, c'est de la catégorisation, mais il y a zéro IA dans le deep learning, dans tout ça. Justement, alors quand Elon Musk nous parle de son robot, il avait présenté Optimus il n'y a pas très très longtemps, et c'est vrai que les effets d'annonce sont toujours très spectaculaires. Quand il nous dit c'est un robot qui pourra marcher, monter des escaliers, on pourra lui donner des ordres, c'est-à-dire lui dire « va faire mes courses pour moi », et hier, ça sera peut-être au supermarché la première fois, il faudra prévenir les gens quand même. Moi aussi, j'attends ça avec impatience. Mais est-ce que c'est quelque chose de réaliste ? Et est-ce qu'on a un horizon temporel ? Est-ce que c'est pour dans 2 ans ou est-ce que c'est pour dans 20 ans ou 50 ans ? C'est toujours la même question. C'est effectivement une question d'horizon temporel. Est-ce qu'on y arrivera ? Oui. Je suis absolument certain qu'on arrivera à faire de l'intelligence réelle et de leur donner une capacité aux robots, aux machines, aux objets à comprendre et à agir tout seul. Oui, bien sûr. Combien de temps il faudra ? Ça, c'est difficile à prévoir parce que ce n'est pas linéaire. C'est-à-dire que c'est pas on va s'améliorer un peu et puis vu la vitesse de progression, on va mettre 3, 5, 10 ans. Il y aura des ruptures qui vont se passer. Et donc, si ça se trouve, ça va être l'année prochaine. Si ça se trouve, ça va être dans 10 ans. Mais ça peut arriver vite. Et nous, Another Brain, on travaille là-dessus. C'est-à-dire qu'on fait un circuit intégré qui fonctionne comme le cerveau. Notre objectif, c'est vraiment ça. On fait un circuit intégré qui fonctionne comme le cerveau. On sait largement assez de choses sur le cerveau pour le faire, collectivement. Et donc, notre sujet, c'est de le faire. Et ça nous donnera une intelligence réelle. Alors, si le circuit intégré est petit, elle ne sera pas très puissante. S'il est plus dense, elle sera plus puissante. Mais ça sera une intelligence réelle, c'est-à-dire une capacité à comprendre, à décider sur des situations qui n'ont jamais été vues. Donc, c'est avoir de la conscience, finalement. On se rapproche de l'intelligence, là, non ? On se rapproche de l'intelligence, c'est encore autre chose, la conscience. Mais oui, on se rapproche de tout ça, mais bien sûr. D'accord. Et cette puce-là, vous l'imaginez dans quel type de scénario aujourd'hui ? La puce que vous êtes en train de mettre en place ? Oui, d'application. Elle servira dans tout ce qui est perception intelligente. Et très concrètement, ça veut dire que n'importe quel capteur sera capable de non pas d'envoyer un flux d'informations que quelqu'un d'autre, quelque part dans le cloud, va devoir analyser, mais directement des analyses. Je prends un exemple très concret. Aujourd'hui, dans les bagnoles, il y a des capteurs partout. Il y a tellement de capteurs qu'ils envoient telle quantité de données qu'il y a un problème de bus de communication qui est toujours saturé. C'est un vrai problème, ça. Voilà. Mais si je remplace un capteur et que je lui mets un capteur intelligent, il ne va pas te dire, voilà, le
flux d'images et puis l'unité centrale, tu vas l'analyser, il va te dire, devant moi, j'ai un vélo à 20 cm. Voilà. Donc, si le capteur lui-même est intelligent, et il renvoie cette information de haut niveau. Donc, il envoie sa compréhension de ce qu'il voit. En fait. Exactement. Et donc, d'abord, tu as très peu d'informations qui circulent. Et puis, l'unité centrale, c'est beaucoup plus facile de prendre les bonnes décisions. Donc, vous pourriez donner un cerveau, en fait, au robot de Boston Dynamics, potentiellement. Oui, bien sûr. Vous êtes en discussion avec des industriels comme ça, parce que ça pourrait les intéresser, donc, j'imagine, ce genre de... On a quelques industriels qui sont venus nous voir, mais c'est trop prématuré pour nous. On a en particulier les gens dans le domaine du spatial qui ont des satellites qui se font attaquer. Et comment faire en sorte qu'un satellite qui est tout seul là-bas, il se passe des scénarios qu'on n'a jamais vus, mais il faut qu'il réagisse très vite parce qu'on n'a pas le temps de... Voilà. Donc, il faut que ça se... Donc, il y en a qui viennent nous voir pour ce genre de choses, mais on n'est pas encore prêts. Boston Dynamics, c'est une boîte américaine. Quelle est la particularité du savoir-faire français dans le domaine de la robotique? Quels sont nos atouts et peut-être aussi nos faiblesses, Bruno? C'est une très très bonne question. D'abord, je ne suis pas sûr que ce soit américain. Enfin, c'est maintenant des Capinos, c'est Hyundai. C'est, mais au départ, c'était coréen. Mais au début, c'était américain. Au début, c'était américain. MIT, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est Hyundai. Hein, Hyundai. C'est vrai. Aujourd'hui, pour moi, la boîte la plus avancée en matière de robotique, vraiment, je le pense sincèrement, c'est Enchanted Tools. Mais au niveau mondial, qui est une boîte française. Et pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle a, mais déjà, Aldébaran, on était le leader mondial. Eux, ce qu'ils font, c'est un personnage. C'est un robot, mais en fait, c'est un personnage qui vit dans notre monde sous forme de robot, mais qui vit aussi dans des mondes artificiels et virtuels. Et donc, on peut le retrouver dans sa bagnole, dans son truc. Voilà, il est avatar, il a toute une vie, il a un monde. Et l'intérêt et l'importance, c'est le côté interaction émotionnelle. C'est le côté vie artificielle. Tu vois, si je mets un robot de Boston Dynamics à côté de toi, et puis qu'il est là, qu'il attend, il ne bouge pas et tout, ça fait peur, c'est quoi ce truc? Alors que si tu as un chien à côté de toi, le chien, tu le regardes, mais il bouge tout le temps. Mais il a une vie, tu sais qu'il est vivant, tu sais qu'il y a un truc. Il évolue. Même dans sa petite vie quotidienne, tu vois s'il est agressif ou pas. Voilà. Mais ce qu'il faut, c'est qu'un robot, il ait une vie, il existe. Et donc, ce côté vie autonome, vie artificielle, ce côté interaction émotionnelle est essentiel. Voilà. Et Enchanted Tools, ils ont là-dessus. Alors, avec les technologies qu'on avait développées dans Aldébaran et qu'ils ont améliorées. C'est ce que faisait un peu Pepper, d'ailleurs. Oui, bien sûr, c'était nos objectifs. Avec ces technologies qui étaient déjà portées par Jérôme Monceau, le fondateur de Enchanted Tools, avec David Goyer, qui est une personne brillantissime, qui est bon, qui est sympa, qui lui a créé une boîte qui s'appelle Orthopus, qui fait des mains artificielles et des bras artificiels pour handicapés. Donc, il décline les technologies pour le monde du handicap qui en a besoin. Donc, c'est génial ce qu'il fait. Mais en plus de ça, ça rentre dans le robot de Enchanted Tools. Donc, il y a cet écosystème qui est en train de créer. Enfin, celui-là, on va en parler. Hein. On va vraiment pas. Ça va vraiment être un des leaders mondiaux. Mais est-ce que vous imaginez un avenir où on est tous à la maison, son robot domestique d'accompagnement, majordome, je ne sais pas comment on peut le présenter, mais que vraiment ça fasse partie de notre vie quotidienne, ou est-ce que ce sera, il y aura juste des applications du domaine de l'industriel ou de l'accompagnement des personnes âgées à l'hôpital ou dans les EHPAD? Comment est-ce que vous voyez ça? Toi, tu dis, le début de ta phrase, c'est où on est tous à la maison. Alors ça, je ne suis pas d'accord avec ça, on ne sera pas tous à la maison, mais est-ce qu'on aura des robots partout? Oui. Il y aura des robots partout, à la maison, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les usines, dans les entreprises. Bien sûr qu'il y aura des robots partout qui nous aideront. Et ils vont réellement nous aider. Il y aura des robots qui iront miner et forer des astéroïdes pour récupérer du platine, des métaux rares, des terres rares, etc., qui polluent quand on le fait chez nous. On ira faire ça sur des astéroïdes. Des robots pompiers. Il y aura des robots pompiers qui n'auront pas peur du feu. Voilà. Il y aura et qui pourront aller dans des endroits... Mais moi, de manière beaucoup plus prosaïque, est-ce que j'aurai un robot pour vider mon lave-vaisselle et pour ranger mes courses? Mais bien sûr, tu pourras en avoir un. Bien sûr que ça existera. Ça existera. Ça, c'est le côté concret d'Anthony. Bah attends, moi, je t'imagine sur ton canapé en train de regarder Netflix et de faire livrer ton petit café. Je pose la question parce que quand on va sur les grands salons tech au CES de Las Vegas, etc., tous les ans, on a des grands groupes technologiques qui nous promettent monts et merveilles avec ça, des Samsung, etc. Ils nous présentent en général, c'est des petites vidéos en effets spéciaux. Enfin, on voit bien que c'est pas des vrais robots et ils nous disent voilà, ça va arriver, on va avoir un robot majordome. Donc, c'est que Dyson travaille aussi sur le sujet. Mais je me demande à chaque fois, voilà, dans quelle mesure c'est réaliste, vous nous dites. Ça va arriver, je suis certain que ça va arriver et qu'on en aura besoin et que ça nous aidera vraiment. Est-ce qu'il y a des dangers, des risques avec ce genre de... Oui, mais il faut bien comprendre, il y a une question sur le est-ce que ça fait peur ou pas. 100% des nouvelles technologies ont fait peur à leur introduction. Mais c'était déjà vrai quand le feu a été maîtrisé. C'était vrai dans la vapeur. Les premières machines à vapeur, locomotives, faisaient peur. Les premières bagnoles, les avions, l'électricité. Il y a eu des millions de morts par l'électricité. Mais ce n'est pas parce qu'une nouvelle technologie fait peur au début, ce qui est normal, qu'il faut laisser tomber. Parce que l'humanité est excellente à un truc, c'est le feedback.
c'est se rendre compte du truc et puis encadrer, normer, réglementer pour faire en sorte qu'on en tire plus de bien que de mal. L'agilité, en fait. Et l'électricité, on en tire infiniment plus de bien que de mal, même le nucléaire. Même, voilà. Et ça sera pareil avec la robotique, ça sera pareil avec l'IA. Il y aura des dangers, oui. Il va se passer des problèmes, oui. Il ne faut pas être naïf. Néanmoins, globalement, on arrivera à les dominer, à les maîtriser et on en tirera beaucoup plus de bien que de mal. Donc c'est génial, il faut à tout prix y aller. Maintenant, il y a un autre sujet dans sa question qui était est-ce qu'on aura des robots à la maison, humanoïdes, par exemple, pour débarrasser ton lave-vaisselle et tout. Il y a eu une grande question pendant un moment, qui existe encore chez certains, mais pour moi, elle n'est pas bonne, qui est de dire, mais on n'a pas besoin de la forme d'un robot humanoïde pour faire ça. Ton lave-vaisselle, c'est un robot, et il lave très bien, il n'a pas besoin d'avoir une forme humanoïde. La réponse est oui. Et pour chacune des tâches dont on a besoin, on peut trouver un robot bien plus efficace qu'un humanoïde. Par contre, ça veut dire qu'il va falloir développer plein de robots partout, et pour celui qui achète, il va devoir acheter plein de robots, alors que si on arrivait à faire un robot humanoïde capable d'avoir le même genre de forme que nous... Débarrasser, donc, vider le lave-vaisselle... De s'adapter à toutes les tâches. Ouais. Voilà, remplir le lave-vaisselle... De manipuler les trucs que nous, on sait manipuler, on en aura un seul, et qui... donc bien sûr, et c'est ça que veut faire... D'où la forme humanoïde, qui a du sens, en bien fait, sûr, parce qu'il pourrait s'adapter à tout. Bruno, on a parlé de Boston Dynamics, on a parlé donc d'Enchanted Tools, boîte française qu'il faut surveiller de très très près. Oui, hein. On n'a pas évoqué Elon Musk, qui a son projet donc de robot, Optimus, Anthony, hein, Optimus, qui a été quand même assez moqué. Est-ce qu'on peut imaginer que Elon Musk est un acteur sérieux dans ce domaine-là aussi? Alors moi, je pense que oui. Elon Musk est très décrié, à la fois parce qu'il a des idées folles, à la fois parce que ce n'est pas vraiment lui qui amène les technologies. Il va les chercher ici ou là très souvent. Et donc, on dit non, mais ce mec, il attire la couverture à lui, mais ce n'est pas lui qui a fait, c'est la NASA, c'est d'autres. Ce qui est vrai aussi. Il est décrié parce que les idées qu'il explore font peur à certains. N'empêche que pour moi, c'est un catalyseur. C'est-à-dire, il décide un truc, il communique, il y va. Et il met plus longtemps que prévu, on s'en fout. On s'en fout qu'ils disent que ça sera dans 2 ans, puis qu'en fait, ça arrive dans 5 ans. L'important, c'est qu'il ouvre une voie et qu'il catalyse. Il fait des retours de lui, des gens, des boîtes. C'est un peu un bulldozer technologique, en quelque sorte. Ouais, mais n'empêche que grâce à lui, les choses se passent. Ouais, alors il a des idées folles, je vais balancer une bagnole dans l'espace. Non, c'est n'importe quoi. N'empêche qu'il le fait. C'est vrai, et puis, c'est vrai qu'il y a une Tesla qui se balade dans l'espace quelque part. C'est incroyable. Mais c'est hyper intéressant parce que j'allais dire dans ses annonces, il y a presque un aspect changement civilisationnel. C'est-à-dire que vraiment, il a cette logique qui va même au-delà de la technologie. L'après. Quand il a fait les annonces sur Optimus, il a dit ça va nous forcer aussi à réfléchir à nous, notre valeur ajoutée en tant qu'humain, à la notion de revenu universel. Si on a des robots qui pourront nous remplacer pour tout un tas de choses, il pense déjà à la commercialisation. Là où Boston Dynamics est sur de la recherche et développement depuis des années et des années. Alors il y a Spot maintenant qui est commercialisé, mais Atlas par exemple, c'est des robots qui coûtent des millions. Lui dit nous, on aura un price point de 20 000 $. Et pour 20 000 dollars, on pourra avoir son robot et il pourra faire plein de choses à notre place. Donc il a une vision qui est, je trouve, hyper intéressante parce qu'elle est très très précise, même timée, même si peut-être que son horizon temporel est un petit peu trop optimiste. Après, il n'a pas été aidé par le fait que la première présentation, c'était un gars dans un costume en latex qui jouait le rôle du robot et donc forcément, on s'est un petit peu moqué de lui à cause de ça. Je pense que ça n'empêche pas du tout le fait qu'il y a un potentiel énorme du côté de Tesla et de la robotique. 100% d'accord, mais je ne sais même pas, parce qu'effectivement, il était bidon et pourri sa première présentation, mais je ne sais même pas si ce n'était pas purement du marketing, parce que du coup, tout le monde en a parlé. C'est vrai. Et donc, on sait qu'il allait là-bas, il a balisé le terrain en disant, voilà, je vais faire ça. C'est vrai. Ça me prendra, il donne des dates, mais on s'en fout, ça me prendra le temps que ça me prendra, mais je vais le faire. Et on sait qu'il a la capacité à fédérer les énergies et à le faire. Il n'y arrivera peut-être pas, mais comme il a 10 projets comme ça en parallèle, il y en a 9 autres qui réussiront. Pour terminer ce tech et débat, Bruno. Il y a un sujet que je voulais. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je trouve, moi, très, très souvent, et Elon Musk, il ne fait pas ça, et je trouve ça génial, qu'on s'auto-limite. C'est-à-dire qu'il y a des réflexions qu'on s'interdit à avoir. Mmh. Pour moi, il y a un sujet qui va transformer l'humanité, mais au sens profond du terme. Ce n'est pas juste on va faire les révolutions numériques, etc., etc. C'est l'ingénierie génétique. Quand on va être capable de modifier nos gènes, quand je vais être capable, moi, de prendre un spray de rétrovirus et puis que tout d'un coup, ça va modifier mes gènes, modifier réellement mes gènes et du coup, j'aurai d'autres capacités. J'en sais rien, je respirerai plus longtemps sous l'eau ou mes yeux auront une meilleure acuité ou ça me guérira des maladies. Voilà. Ça va réellement changer l'humanité. Mais pour moi, ça va arriver dans pas très longtemps. C'est-à-dire, la technologie... C'est vertigineux et c'est un peu effrayant quand même, Bruno. Mais ça va arriver. Et donc, plutôt que de dire c'est effrayant et du coup, je range ça dans un coin de ma tête et je ne l'affronte pas et j'en parle, il vaut mieux en parler. Non, mais comme on vit dans un monde un peu troublé, on peut se dire, on imagine tout de suite les dérives qu'on peut avoir avec ce type de technologie, c'est ça? Oui, et en imaginant les dérives et la peur, on oublie d'imaginer tout le bien que ça peut apporter. C'est vrai. Parce qu'il y a pas mal de gamins ou de personnes qui ont des maladies génétiques qui aimeraient bien qu'on puisse les aider à les régler.
Avec Anthony, lorsqu'on préparait cette interview avec toi, on se posait la question de ChatGPT, qui est l'actualité du moment, et on ne pouvait pas passer à côté. Et c'est vrai que si on imagine la robotique connectée à ChatGPT, là, c'est la claque, quoi. C'est vraiment une rupture technologique incroyable, non ? Ça va arriver, ça ? Et que penses-tu de ChatGPT ? Alors, je suis sûr que ça va arriver. Il y a déjà des gens qui travaillent dessus. Il y aura déjà des robots qui embarquent ChatGPT, pour moi, dans l'année qui vient. Ça me paraît une évidence. ChatGPT... Donc, on va avoir, pardon, je te coupe, mais on va pouvoir avoir une interaction verbale avec un robot, lui poser des questions, réagir avec lui, il nous répondra, oui. En fait. Oui, c'est une certitude, oui. Et pareil, je ne sais pas si ça va arriver dans 3 mois ou dans 1 an, mais c'est une évidence que ça va arriver à court terme. Parce que alors là, la technologie ChatGPT permet de faire ça. Oui. Là, il suffit de le mettre dedans, donc ça va arriver vite. Maintenant, oui. Non, je peux ajouter une brique technologique encore supplémentaire pour compléter le fantasme. Donc, on a aussi, on a vu pareil au CES de Las Vegas, là, le robot Ameca avec, vous savez, des pots en silicone absolument incroyables qui permettent de reproduire toute la palette des émotions humaines. Donc, si on couple, je résume. Boston Dynamics, un robot humanoïde qui est agile comme un ninja. La peau synthétique, plus ChatGPT, on est dans Westworld, hein, on est dans la série avec des robots qui reproduisent vraiment des êtres humains sous toutes leurs facettes, en fait. Ce qui se passe dans cette série ou dans d'autres arrivera. Je ne sais pas si c'est avec ces technologies, mais ça arrivera et ça arrivera bientôt. Moi, par contre, je ne vois pas l'intérêt de donner à un robot un aspect humain avec des peaux artificielles, etc. Je pense que c'est une erreur. C'est-à-dire qu'on peut très bien profiter de toute la possibilité, la puissance des formes humanoïdes, etc., sans pour autant faire en sorte qu'il essaye de ressembler. Je pense même que c'est une erreur. On va sur un territoire qui va faire peur pour rien, qui va amener du négatif et je ne vois pas le positif. Mmh. Voilà. Donc ça, je ne suis pas sûr. ChatGPT. C'est une rupture. On a tous pris une claque. Moi, j'ai pris une claque comme tout le monde quand j'ai vu ça. Je sais que ça se trompe. Je sais que ChatGPT a besoin d'une centrale nucléaire pour le faire fonctionner. Ça consomme une énergie monstrueuse. Et donc beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on arrive à une version payante. On va bientôt devoir le payer. N'empêche que ça donne des résultats qui sont bluffants. Et qui peuvent être faux. Donc la difficulté, et quelqu'un de ma boîte qui a dit ça, et j'aime bien cette phrase-là, la difficulté, c'est qu'en fait, ça dit des conneries de façon très intelligente. Voilà. Et donc, c'est difficile de savoir. Enfin, il y a des humains qui font ça aussi très bien. Hein. Pratiquement toutes mes boîtes utilisent déjà ChatGPT. Certains pour générer leur site internet, d'autres pour faire de la bibliographie pour certaines documentations, d'autres pour leur programme, d'autres pour... Enfin, il y a une vraie rupture là. Hein. Voilà, la robotique et ChatGPT. C'est une histoire qui commence et qui va sans doute amener plein de débats, hein, Anthony. On est d'accord. C'est vertigineux, tout ça, voilà. C'est clair. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Bruno Maisonnier, d'être passé par ce plateau de Tech et Débat dans ce beau studio que vous avez pu découvrir. Donc, ex-patron d'Aldébaran et aujourd'hui Another Brain. Merci, Anthony. Merci, François. Merci, Bruno. Tous les matins. Merci beaucoup. Sur BFM Business et à la mi-journée sur RMC. Merci de nous avoir suivis pour ce deuxième numéro de Tech et Débat. Il y en aura beaucoup d'autres, bien sûr. Et à très vite.